Un pacte avec la mort, on entendait cela dans les histoires pour effrayer les enfants. Des légendes, des contes, des balivernes. Mais pourtant, ce jour-là, enveloppé dans des lambeaux charbonneux, caché sous une épaisse capuche et flottant dans un nuage noir comme un volcan, c'était bien la faucheuse qui vient emporter le petit Aureus. Roselda supplia la créature, qui ne lui offrit qu'un lugubre marché. Sans âme. Sans âme en échange d'Aureus. Les parents acceptèrent sans l'ombre d'une hésitation. Mais il y avait une dernière condition. Les deux dernières âmes seront les vôtres. Car Aureus n'était pas un enfant comme les autres. Et son destin ici-bas était strictement tracé. Il est vrai que c'est un peu tardivement que je vous sors cette vidéo du challenge de l'automne. Mais comme dit très bien l'adage, mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes toujours en automne. On se retrouve donc pour se challenger. En tout cas, vous. Moi, je suis là pour vous énoncer les règles du challenge. Et c'est à vous de créer les personnages et les décors de cette petite histoire. Pour celles et ceux au fond de la classe qui n'auraient pas suivi de quoi ça s'agit, je vous mets dans le petit... La première vidéo du challenge de l'été, dans lequel j'explique un peu plus en détail le concept, et à laquelle fait suite deux autres vidéos de démonstration en fait de ce challenge. La partie gameplay du challenge a été vraiment boudée la dernière fois, donc je sais pas trop si c'est si utile que ça de vous le proposer pour ce challenge de l'automne. Si certains ou certaines sont intéressés par un côté gameplay, donc il s'agissait de fournir 20 screens suite à votre petit gameplay perso de votre côté. S'il y en a que ça intéresse donc, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour le challenge de l'hiver, je réintégrerai la partie gameplay au challenge quoi. Mais c'est vrai que pour cette fois-ci, pour le challenge de l'automne, on va rester simplement sur du CUS et de la construction. On a quitter le côté gossip que nous avions à Willow Creek et à Oasis Springs pour quelque chose de beaucoup plus lugubre et un petit peu Halloweenesque, vu que Halloween est quand même la période la plus phare de l'automne. Et même si la fête est passée, je me dis qu'on peut quand même un petit peu s'accorder le mood Halloweenesque et le petit mood creepy comme ça, un peu spooky, pour cette fin de novembre et début décembre. Comme la dernière fois donc, vous pouvez participer dans la catégorie créer un sim, la partie CUS, ou bien dans la partie construit, ou même les deux si ça vous fait plaisir. Pour la partie CUS, il vous faudra créer les gérants de l'hôtel que vous avez un petit peu aperçu dans les plans vidéo précédents. Et ces gérants sont en fait les parents d'Aureus dont vous avez entendu parler dans la petite histoire. Il s'agit de Roselda et d'Andrew. Vous pouvez leur donner le nom de famille qu'il vous plaît. Vous pouvez choisir de les marier ou non, peu importe. En tout les cas, ils sont quand même en couple et en ménage, forcément. Roselda est une adulte froide, soignée et proche de sa famille. Ce sont des traits de caractère obligatoires, vous ne pouvez pas les retirer. Andrew, quant à lui, est une personne âgée, égocentrique, qui déteste les enfants et qui est paresseux. Pareil, ce sont des traits de caractère et l'âge que vous devez absolument garder. Pour le reste, vous êtes libre de les créer comme vous voulez. Il n'y a pas de critères physiques particulier, il n'y a pas de goût particulier non plus, vous pouvez très bien leur donner des différents goûts et des choses qu'ils aiment et des choses qu'ils détestent, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucune restriction de pack non plus, vous pouvez tout utiliser à l'exception, parce que je ne les ai pas tout simplement, de tous les rikikits de vêtements qui sont sortis jusqu'à présent parce que je ne les possède pas. Sinon, tout ce qui est kit d'objets, donc l'ancienne version des kits, les game packs et les packs d'extensions, il n'y a pas de problème, vous pouvez
pouvez absolument tout utiliser. Pour les partager dans la galerie afin que je puisse les voir et les récupérer, un hashtag s'affiche actuellement à l'écran et vous avez aussi tout en description de vidéo. Évidemment, toutes les règles seront réécrites en description de vidéo. Si vous avez un doute, vous n'avez pas besoin de tout vous retaper ma vidéo, vous pouvez simplement aller checker la description, ce sera beaucoup plus simple. Pour la partie construction, il va y avoir une petite modification par rapport à la dernière fois, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir commencer sur un terrain vide, comme vous l'entendez. Cette fois-ci, il va y avoir une construction à récupérer sur la galerie. Il suffit de se rendre sur ma galerie, sur mon catalogue, pour pouvoir la voir et la récupérer. Vous le voyez donc, parce que je vous mets des petites images à l'écran et vous le verrez mieux en téléchargeant la construction. Le terrain est déjà en partie construit, en partie aménagé. Et vous, votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'aménager simplement le mobilhome. Le mobilhome qui est donc le logement des gérants de l'hôtel de Roselda et d'Andrew. Car l'hôtel est trop petit, ne peuvent pas résider à l'intérieur, c'est réservé aux clients et eux, ils vivent dans cette petite caravane, quoi, ce mobilhome, cette petite caravane ici. Et vous avez également un petit cabanon de jardin. Les consignes sont simples, vous ne pouvez pas toucher à la structure des bâtiments. Quand j'ouvre le terrain, ils doivent rester tels que je les vois là maintenant et tels que je vous les présente actuellement, il ne doit pas y avoir de modifications externes. En revanche, à l'intérieur, vous devez donc aménager le mobilhome de sorte à ce qu'il soit fonctionnel pour deux Sims adultes donc, et également prévoir un petit coin pour un enfant ou un bambin. Parce qu'à la base, il vivait dans ce mobilhome avec Aureus, même si maintenant Aureus a disparu, à la base, le petit bout, il était là quand même, donc il faut lui prévoir une petite place. Vous devez également consacrer une pièce dans ce mobilhome à l'espionnage, parce que Roselda et Andrew ont des activités un petit peu secrètes concernant la clientèle de l'hôtel, je n'en dirai pas plus. Vous devrez également aménager le cabanon pour qu'il serve au découpage des corps, parce que comme vous l'avez entendu dans la petite histoire, Andrew et Roselda, pour récupérer leur fils décédé, vont devoir tuer 100 personnes. Et 100 cadavres, il faut bien s'en débarrasser. Donc du coup, ils vont consacrer leur cabanon à la prise en charge, si je puis dire, des cadavres. Voilà. Faites jouer votre imagination, mais il faut que ce cabanon ressemble à une espèce de salle de découpe très creepy, très glauque et très bizarre. Voilà. Pour faire tout cela, vous avez droit à tous les packs du jeu. Vous avez droit aussi au budget illimité. Par contre, comme d'habitude, pas de contenu personnalisé parce que je risque de ne pas les avoir et c'est dommage. En revanche, les modes utiles à la construction sont autorisés, à savoir le Better Build By, le mode Tool, ce genre de choses, vous y avez droit. Vous avez évidemment droit au débogage aussi, pas de soucis là-dessus. J'espère que ce début d'histoire vous plaît, j'espère aussi que vous êtes inspiré par cette histoire un peu creepy, par cette drôle d'ambiance, vraiment assez glauque, hein. Et moi, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez créer, et j'ai surtout très hâte d'utiliser vos superbes créations pour faire la suite de l'histoire. Puisque c'est le challenge d'automne, je vous laisse jusqu'au dernier jour de l'automne pour réaliser ces créations et les partager dans la galerie, à savoir le mercredi 21 décembre, jour de l'hiver. Vous avez donc jusqu'au mercredi 21 décembre à 23h59. Le mercredi est donc inclus pour partager vos créations sur la galerie afin que je puisse les voir et en choisir deux, une du CES et une de la construction, pour faire la vidéo finalement de suite de l'histoire et de mise en scène de ces personnages et de ce décor. À vos idées, à vos souris. Moi sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas la pluie d'étoiles dans les commentaires et le bon coup de météorite sur le pouce en l'air bien sûr. Rejoignez-nous pour ne louper aucune prochaine vidéo en vous abonnant évidemment. Prenez soin de vous. Ciao ciao, à 17.